Je personnalise la lettre T et à côté de Rengoku, il y aura Tanjiro. Après le sondage, vous avez voté pour le héros de Demon Slayer et pourquoi pas, franchement, à côté de Rengoku, c'est super. Je vais le dessiner de 3 quarts légèrement tourné vers Rengoku. Ce qui est caractéristique de Tanjiro, ça va être son kimono vert ainsi que ses boucles d'oreilles, donc je les dessinerai aussi. Je vais ensuite recouvrir les yeux et la bouche d'un blanc. Ce qui est compliqué, ça va être sa tache. Je n'ai pas de Posca très fin pour le peindre, du coup je suis approximatif et j'espère qu'en le repassant au liner, ça va être propre. Une fois que tous les éléments sont placés, bon, ça ressemble pas à grand chose, mais vous allez voir, au liner, ça va ajouter les détails et il va prendre vie. Je commence par dessiner les sourcils, puis les yeux. Petit à petit, j'ajoute tous les détails du visage pour à la fin terminer avec une toute petite touche de peinture blanche dans l'œil. Et une fois replacé sur le clavier, regardez, face à Rengoku. Et avec Tanjiro, ça fait 9 touches personnalisées, ça commence vraiment à être pas mal. N'hésite pas à t'abonner pour voir le prochain custom et à la fin, le clavier entièrement terminé.